Salut à tous, c'est Yannick. Aujourd'hui, un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps, un P38 de 3,60 m d'envergure, construit en bois, fibre et polystyrène. Nous allons voir aujourd'hui comment mouler facilement des capots moteurs à partir de moules en impression 3D.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, le résultat. Mes deux capots. Forcément, un P38, deux moteurs, deux capots. Franchement, vu la technique employée, ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Bien entendu, je vais devoir poncer un peu tout ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est-à-dire les plombs de joint, les quelques bulles que j'avais. Mais globalement, je suis très satisfait de cette technique, qui est quand même beaucoup plus rapide au niveau du temps passé qu'un moule à partir d'un master. Parce que là, bon, évidemment, la pression 3D, c'est très lent. Pour un moule comme ça, il faut 5 jours d'impression, à peu près. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre sujet. Le P38, vous avez compris qu'il allait se passer un certain temps avant qu'on en reparle. Il faut un mois pour que le moule soit imprimé. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à aller sur Facebook. L'adresse de la page est dans la description. Ce qui vous a plu, pas plu, des suggestions de vidéos, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre dessus. J'essaierai de répondre le plus possible et aussi de tenir compte de toutes ces remarques pour mes prochaines vidéos. Ça m'aidera, je vous en remercie. Donc je vous dis à plus, salut !